Bonsoir à toutes et à tous, et aujourd'hui on va faire une vidéo 100% découverte sur le jeu 9 to 5. Donc, la vidéo 100% découverte, c'est une vidéo où il n'y a pas de cut, il n'y a qu'un seul rush. Il s'agit d'un jeu compétition FPS qui est sur Steam en version bêta privée jusqu'à au 15 février 2021, 19h. Il a déjà été en alpha il y a quelques années, il y a un ou deux ans, je crois. Les avis étaient plutôt négatifs. Moi, j'ai découvert ce jeu hier, donc j'en fais une vidéo maintenant. J'en suis à peu près à 7 ou 8 games. Et donc c'est un jeu qui est donc FPS en 3 contre 3 contre 3. La particularité c'est que bah, il est beau. Déjà je le trouve beau, le son est encore un peu à modifier. Il y a beaucoup de choses à débloquer, il va y avoir trois équipes, il va y avoir trois sociétés de mercenaires, parce qu'en fait c'est des mercenaires dans le jeu à choisir. Donc il va y avoir ceux de la finance, ceux de la technologie et ceux de l'espace vert. Moi j'ai choisi l'espace vert, vous me connaissez en bon hippie que je suis. Vous allez pouvoir modifier plusieurs armes, plus vous allez jouer, plus vous allez gagner de l'expérience. Avec ces expériences-là, vous allez pouvoir débloquer des viseurs, etc., des nouvelles armes. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a qu'une seule arme, enfin, il y a plein d'armes, mais je pense qu'on est bloqué. En fait, on va avoir aussi des objectifs à faire. Use one of Et the une game two se déroule en GPS 3 rounds. terminals Voilà. to Il peut y avoir triangulate des the rounds où on est decryption en 6 contre key 3, ou des games où on est en 3 contre 3. Contre 3. 3 équipes de 3, 3, 3, 3. Il y a vraiment plein de choses à découvrir, il y a des performances physiques à développer aussi dans le jeu. Plus vous jouez, en fait c'est un play to win et non pas un pay to win. Plus on joue, plus on gagne des points et puis on peut avoir, il y a plein de choses à développer, etc. Switching out mags. Tangles hostile enemies in hostile tangles. Careful, hostile enemies. Tangles enemies. Patching myself up. Tangles in the hostile tangles. I'm reloading. Enemies in the tangles in the area. Changing mags. Enemies hostile. Enemy spot. Need to reload. Bon, si j'en ai tué 3. Je vais je suis à terre. Et mon mate en fait peut me revive. Reloading. Là en fait il est en train de spoiler où est-ce qu'il est venu en fait. On revive le copain. On va aller tuer l'autre équipe du coup. Il ne reste plus qu'un seul joueur dans l'autre équipe. Il est en train de capturer l'objectif. Switching out mags. Ah putain. La fenêtre, la fenêtre, la fenêtre. Aïe aïe aïe. Ça me fait penser à une map de. Moi si j'ai mon drone, vous voyez. Je sais pas c'est quoi. Careful, enemy spotted. Enemies in that area. Hostiles moving through there. C'est marrant ça. Ouais, donc c'est à vous de détruire en fait les drones, vous voyez, tous les drones. Hostiles spotted on the move. I'm moving. Non, on lui a donné l'information. Changing ah, c'est un position. Manque de skill total. Donc on a perdu le premier round, malgré qu'on ait fait 5 kills en fait. Hein. Ce qui est énorme. Pour 6. Et on va passer donc à l'objectif numéro 2. Donc en fait les objectifs changent à chaque fois, hein, c'est pas les mêmes. Et après il se peut qu'il y ait une égalité, et si jamais il y a une égalité, il peut y avoir une quatrième étape, je crois. Logiquement, parce qu'il ne peut pas y avoir d'égalité, justement. Donc ouais. On prend un petit truc à manger. Il y a un chat vocal pour parler avec l'équipe. Ah. Ça, on a l'air de se comprendre avec les putsch. When download is complete, secure the J'essaie drives. de leur sortir une petite phrase. Hello team. Ouais. You say together? I think it's a good idea.
I think so. Estimated location of receiver updated. Ok, donc lui il a déjà repéré quelque chose. Beaucoup d'options graphiques qu'on peut changer. Là, changing, careful, and I'm moving. Enemy. You there. Hostiles, I'm Oscar Mike. On the move. Careful. Tango's enemy. In the air, moving. Cover me. Tango, enemies, careful, enemies. Hostiles moving through there. Tango's in the area. Moving. On est tous les morts, on est déjà tous les trois morts. Ok, on est tous les trois morts déjà. Ça va très très vite. Que je trouve plutôt cool, il faut savoir bien le prendre en main. Graphiquement il est pas moche en vrai, et il est plutôt... C'est le son que je trouve un peu encore parfait. Donc là, on va quitter le drone, on va aller voir les autres joueurs, ce qu'ils font un peu. Donc, ils continuent à capturer leurs points, donc vous voyez, ils ont beaucoup fusé à pompe. Ils sont en 3 contre 1. En tout cas, c'est intéressant et ça me fait penser un peu au jeu qu'il y avait en 2004-2005 avec les SWAT et Tactical Ops. Ça me fait beaucoup penser à Tactical Ops. Ceux qui ont que la référence, mettez-le dans les commentaires de la vidéo. Ça me fait les bruits de pas, les tirs. C'est totalement du Tactical Ops. L'éditeur du jeu est Red Hill Games. J'ai recherché un peu, mais j'ai pas trouvé. Pas sûr qu'ils aient fait d'autres jeux. Enfin, moi. Leur site, en tout cas, ils mettent qu'en avant que celui-là. On se fight. Bien sûr, vous avez vu, hein, les seringues de soins, on peut se soigner. Voilà. Donc là, donc, en toute logique. Tu es tout long, donc ils ont gagné le round. Ah oui, c'est un manque de scoreboard. J'ai pas trouvé le scoreboard à moi que. Dans le bouton. Pas trouvé le scoreboard encore. Donc, get for stage 3, immediate nightmare big. Ah, vous voyez, là, j'ai pas encore tout débloqué, mais il y a plein de choses à prendre. Turbojet. Turbojet, carrément. Ah ouais. D'accord, on va voir des mecs se mettre en l'air quoi. Blast Piding, d'accord, Tactical Push. Après, il y a plein de choses, on peut améliorer les chargeurs, les lourds, tout. Et un peu, voilà, un peu poussé. Bon, j'attends de voir. En vrai, je suis curieux. En vrai, je suis vraiment très curieux. Donc là, vous voyez, on est 6 contre 3, il y a eux. Donc, je pense que c'est la kit numéro 1. Il n'y a pas vraiment de scoreboard, j'ai pas vu scoreboard en tout cas. Ils sont premiers, donc du coup, ils sont dans un bâtiment. Et en fait, ils vont nous attendre, et leur hélicoptère va aller arriver. L'hélicoptère va arriver, ouais. Et nous en fait faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on les tue tous avant que l'hélicoptère arrive. Après ils vont mettre des tourelles, ils vont mettre des barricades. Vous voyez l'effort quoi. Et une fois qu'on rentre, là, il y a une tourelle, une fois qu'on rentre à l'intérieur on peut plus ressortir. C'est important de savoir. Moi je rentre. Ouais, ça va camper à gogo. Une tourelle à gauche. Reloading. Et donc une barricade qu'on a détruite, vous avez vu. Grenade. Je sais pas si on peut contourner par là. On va le copain. Ah, il est mort. Molotov. Ils sont que 3, on est 6. Hein. Là, on est plus que 5. Combien de temps ça brûle ça? Là, il est pas mort, hein, il est par terre.
patch up. Reloading. N'importe quoi les mecs avec nous. Absolument n'importe quoi. Il est plus que tout seul. Hein. Il est tout seul. Ça prend ça, les mecs, sérieusement. Voilà. À qui t'as bon? Là, il est sympa le jeu. Les maps sont vraiment cool. Downsize the enemy team. Well done. Ok. Donc là, la game est terminée. Maintenant, je pense qu'on a totalement perdu. Et je crois que ça s'arrête tout simplement comme ça, je crois. Je crois qu'il n'y a pas de récapitulatif de fin. Si, il y a quelque chose. On a perdu, on a gagné aucun objectif. Ouais, j'ai gagné 1187 de crédit, 736 d'expérience, et puis ça va. Et après. Donc on a gagné un objectif sur 3. Donc je suis passé niveau 3, hein, après à peu près 8 ou 9 games. J'ai gagné une nouvelle arme, ok, ça c'est cool. 27 000 de crédit, c'est énorme. C'est le double ce que j'ai. D'accord, donc on va découvrir ensemble. Ok, nouvelle arme. Un peu que l'animation. L'animation de malade mental. Animation de malade mental. On va tester. Donc une sorte de fusil, comme ils appellent ça, un MLPDW9. À mon avis, on peut utiliser les noms des vraies armes. Okay. Bah, pas ouf, hein. Bah, pas ouf. On va retourner au menu. Et okay. Voilà. Donc j'ai de l'argent. Après, j'ai plein de choses à faire. Donc, je découvre comment débloquer. Donc il y a pas mal d'armes. Enfin, pas mal. Plus une. Et à mon avis. Vraiment, je veux beaucoup pour la débloquer, c'est ce qui est totalement normal. En tout cas, je vous invite à le télécharger, à le tester et m'ajouter, venir sur Discord Baloku si vous le souhaitez pour jouer avec moi ou autre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bonsoir.